Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et c'est sur cette base que je me tiens, sur la base de ce que lui l'a dit. Combien croit cela ce soir? Alors nous allons appeler le pasteur Annie Corée, alors qu'il va venir dire encore un mot d'exhortation afin de préparer le terrain pour le message qui va sortir par le pasteur Jeannot de France, le message tant attendu. Je crois que vous serez bénis. Combien sont dans l'expectative pour davantage? Combien veulent, combien s'attendent à ce que Jésus-Christ rencontre leurs besoins? Alors que nous chantons ce chant, tu fais des miracles. Nous continuons la même chanson. Que Dieu vous bénisse, musiciens. Que Dieu vous bénisse, le groupe de chant. Seigneur, amen. J'ai pu entendre l'amen quand même quelque part. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui bienvenue dans l'amen, Seigneur, amen. Greet your brother, greet your sister. Soit rendu à Dieu. Est-ce qu'on peut crier un amen? Can we shout an amen? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Est-ce que vous vous sentez bien? Do you feel good tonight? Amen. Vous savez, nous prions en Jésus Christ. I greet you in the precious name of Jesus Christ. Je serai dans le temps. I will be on time. Trop 35 minutes, sinon 30. Maybe, que Dieu vous bénisse. Maybe. Est-ce que vous vous sentez bien? Do you feel good? Amen. Amen. Qui se sent bien? Who se feel good? Poussez un amen. 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 Donc nous allons aller directement à la parole. Amen. Go straight to the script, to the scriptures. Éphésiens 8 verset 1. Pardon, Apocalypse 8 verset 1. Que Dieu vous bénisse. Ephesians. Apocalypse 8 verset 1. Revelation 8 chapter 8 verse 1. Amen. Apocalypse 8 verset 1. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 8, verset 1. J'ai la parole du Seigneur. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, c'est le seul verset. It's a holy verse. Il est court, mais je crois que... It's short, but I believe that... Avec un seul mot, Dieu peut faire beaucoup. With one word, God do a lot. Que le Saint dise amen. Let the redeemed saint say amen. On incline la tête pour un mot de prière. Let us bow the head for the word of prayer. Seigneur Dieu tout puissant. Lord, our God Almighty. Ce soir. Tonight. Je vais ouvrir. I will le open chemin the way. Pour quelqu'un qui viendra après moi. For somebody to come after me. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir Lord, ici. I'm not worthy to stand here. Et de prendre le micro. And to take the microphone. J'y suis par ta grâce. Just by your grace. Fais quelque chose pour Do moi. Do something for me. Et pour le peuple qui écoute. And for your people hearing. Que ta grâce m'accompagne. May your grace follow me. Au nom de Jésus Christ. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. You may please be seated. Glory. God bless you. Que Dieu bénisse. God bless you. Ne tenez pas compte de la petite pression qu'il y a sur moi. Ne tenez pas compte de la petite pression qu'il y a sur moi. Don't look at the pressure which is upon me. Dieu fait toutes choses. God do all things. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ. In the precious name of Jesus Christ. Vous avez la salutation de l'église en Côte d'Ivoire, de mon épouse aussi. You have the greetings. From the church back home, my wife, Alleluia. My children and my church. L'église s'appelle Assemblée chrétienne de l'Est. My church name
local Christian Assembly of East. Okay. Et so, je vais leur rendre hommage encore aujourd'hui. I will make the tribute to them. Je suis venu avec mon conseiller de chant principal. I came with my principal, my main song leader. Renatin, God bless you. Il est le diacre de l'église aussi. He's my deacon in my church. Et quand on devait venir ici à Dakar pour soutenir notre bien-aimé frère Michel. We come here to support our brothers. J'ai engagé l'église à nous soutenir pour que nous puissions venir. Sorry. J'ai engagé l'église à nous soutenir pour que nous puissions venir. J'ai sollicité l'église. Yeah. Amen. I asked to church to support him. Donc ils nous ont soutenus aux trois quarts. They support. Yeah, support. La petite, la petite église, the leader church, le niveau de vie que Pasteur Jeannot connaît très bien, nous ont soutenu aux trois quarts. But Pastor Jeannot know very well. Ça nous a touché. Support him. Nous sommes à Dakar. And we are in Dakar. Que Dieu bénisse l'Assemblée chrétienne de l'Est Côte d'Ivoire. And may the Lord bless the local Christian assembly from Ivory Coast richement. Que Dieu bénisse. God bless you. Combien apprécié les messages. Tout au long de cette réunion. The message so far. Quelle bénédiction. What a blessing. Quel feu. What a fire. Alléluia. 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 Mon bien-aimé pasteur Steve, Dieu te bénisse. My beloved pastor Steve from the Gambia. Amen. God bless you. Je crois que nous sommes dans une zone aimantée. We are in the où l'aimant we are the immense area. Et l'aimant n'a dit que le fer. Donc des matériaux spéciaux. And you're the special materials. Que Dieu te bénisse. God bless you, my brother. Alléluia. Combien ont apprécié how many appreciate le révérend Claude Noma, Pastor Claude from Isia, amen, l'Assemblée chrétienne de l'Ouest, the West Côte part d'Ivoire. Of Ivory Coast. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, je vois que when, quelque chose se passe. When, Dieu when te bénisse. West or East gather together, quelle some boule de feu, quelle boule de feu, what a fireman, yes, fireball, que Dieu te bénisse. God bless you. Alléluia. La vie de la parole logos sous le septième sceau est la lumière qui dissipe les ténèbres. The life of the word logos under the seventh seal. Les ténèbres ont été dissipées. Which is the life? Alléluia. Disappeared the darkness. Nous avons une très très bonne collaboration. We are fellowshipping together. We work together. Il m'inspire. He inspired me. Je me sens mal. When he's not there, I feel bad. When I see him, I feel good. God richly bless you, my brother. Alléluia. Après lui, vraiment, after him, ce matin, j'ai été this morning, spécialement. I was specially touched. Amen. Amen. À la recherche de la dernière brebis. Quel chef-d'œuvre. Looking for the last. Pasteur Gabriel Alestock. Que Dieu bénisse votre église. God bless you, Pastor Gabriel. Votre famille. From Canada. Dieu bénisse your family. Que vous faites. God bless the world. Tout du monde. All over the world. Depuis avant. Ma naissance physique. Before I was born, vous étiez à l'œuvre. You work for God. Que Dieu vous bénisse. God richly bless you. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Jean-Pierre Jeannot. May the Lord bless Pastor Jeannot from Amen. France. Pasteur Jean-Pierre Jeannot, c'est mon père. Pastor Jean-Pierre Jeannot from France is my Amen. Father. Nous avons la même foi. We have the same faith. Nous partageons la même vision. We share the same vision. Et je bénéficie de ses expériences. Je bénéficie de ses expériences. I'm the beneficiary of experiences. Il est un soutien spirituel pour moi. He's the spiritual support for me. Ce matin, je vais rendre hommage à cet homme de Dieu. And tonight, I will make a tribute for the man of God. You have not afraid to come in Africa. Que Dieu te bénisse, Pasteur Jean-Pierre. God bless you, Pastor Jano. Alléluia. Que Dieu bénisse ton bien-aimé frère Richel. Amen. God bless, God richly bless our beloved brother Richel. Pour l'œuvre qu'il essaie d'accomplir. For the work that he tried to accomplish here. Nous ne condamnons personne, nous n'attaquons personne. Nous essayons de comprendre ce que l'homme essaie d'accomplir. We are not here to attack somebody, but we are here to try to understand what a man is trying to do. Amen. Dieu bénisse. God bless you. Amen. God bless each one of us. Amen. Dieu est avec vous. Amen. God is with you tonight. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Do you love the Lord? Alléluia. J'apprécie aussi les musiciens. I appreciate the musicians. La batterie. Mais je voudrais dire quelque chose à l'église. I would like to say something to the church. Amen. Ne laissez pas don't le batteur faire votre travail à votre place. Amen. Parce que vous avez un travail à faire que vous ne faites pas. Vous qui croyez le message, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Et je vais le lire ici.
Parce que vous deviez faire quelque chose que you, vous ne you faites have to do pas. Something that you Donc le bâtard est obligé de faire votre travail à votre place. Amen. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe it? La restitution de l'âme de l'épouse. The restoration. Alléluia. Of the bride tree. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant. Now, c'est un autre fruit qu'il a dévoré. That's another fruit la he had joie of du salut. Joy of salvation. Shh. Vous faites trop de bruit. You people make oh too la. Much noise. Oh my mind. Oh, comment vous pouvez prêcher, frère Branham? Oh, how can you preach, Brother Branham? Une femme m'a dit une fois. A woman said to me non, one time. Non, ce n'est pas une femme, no, c'est un homme. Not wasn't. It was a man. Je crois qu'il est. J'espère qu'il est ici. I hope he is here. Il est membre d'une autre église. He belongs to another church. Mais il m'a dit. But he said to me. Amen. J'étais venu là l'autre jour pour vous écouter. Said I was up to hear you. Et je ne pouvais même pas day. Vous entendre. And I couldn't even hear à cause you des gens qui criaient. From them people crying. Amen. Les gens qui disent amen. People saying amen. Les pasteurs qui se mettent à hurler. The pastor crying. Ça ressemble à un désordre. It seems like amen. It's a disorder. Il a dit comment pouvez-vous prêcher? He said that if they say how in the j'ai dit, I said, s'ils ne se réjouissent pas, je ne prêcherai pas. Dites amen quelqu'un. So, donc ce soir, si quelqu'un ne dit pas amen, c'est que cette personne ne veut pas que nous prêchions. Si vous n'êtes pas amen, vous êtes contre la prédication. My God, if somebody did not say amen, you are against the preaching of the words. Il dit plus loin. Il dit plus loin. Say so far. Ainsi nous voyons qu'il a ôté la joie. Vous savez une fois David, so we found out perdu la joie de son salut. He took away the joy. You know David. Il one day pas lost perdu the joy of son salut. His salvation. Mais il avait perdu la joie de son salut. He did not lose mais his salvation. Il en avait perdu la joie. But he lost. Il s'est écrié the joy Seigneur, of it. He just cried. Redonne-moi la joie de mon salut. Lord, restore to me the joy of my salvation. See, voyez la joie. The joy. Ainsi ce petit gazam. So this little palme worm s'est mis à dévorer ce fruit de la joie. Begin to eat that fruit of joy. Eh bien, écoutez, now, vous faites trop de bruit. Now, looking here, je vous assure, you people make too much noise. Cris, I tell you, tous ces amen qu'on dit et ces hurlements, all this crying, c'est du non-sens. Saying amen, il n'y a rien. Shouting, voyez, that nonsense. Ça c'est la critique qui parle. There is nothing that le prophète répond. This critique's mouth speaking. La première chose, voyez-vous, see, prophet answering, vous vous retrouvez assis dans une grande morgue. First thing you know, you sit in the big morgue. J'espère qu'il y a des croyants du message ici. I know that there is the my God. Believers. Vous savez. You assis know, là, c'est dead. Tous sont morts. All of them died. Certains sont embaumés. Some of avec them des fluides embalming fluid d'une of prétendue doctrine, des credos qu'on leur a injectés dans les veines, Pent là où l'esprit de Dieu devrait être en train de couler. Where the spirit à la of place, God le vieux credo de l'Église a été injecté. Where the old church crowd, il n'est pas there. Étonnant. No wonder. Qu'il soit froid, glacé et mort. And die. Quand quelqu'un dit pas amen, frère Branham, tu es froid, when glacé, tu es mort. When did not say amen, you are cold and you are or you are dead. My speak God. Slowly. Hallelujah. Que le Seigneur dise amen. Si quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Peut dire amen. Can somebody say amen? Il dit le thermomètre spirituel indique 90 degrés en dessous de zéro. Spiritual thermometer. 90 below zero. Oui, si quelqu'un dit amen. Yes, somebody say amen. Tout le monde se retourne en tendant le cou comme une oie. Ou une chose, ou autre chose. Everybody is twitch their neck. Il veut savoir qui a dit cela. Frère Branham dit c'est une honte. Want to know what say that? Honte à vous croyant du message de l'heure. Shame on vous you. Devez sauter. Mais vous devez dire amen. You are supposed c'est to pas un désordre, c'est un ordre. Not les musiciens doivent dire amen. Hallelujah. Les pasteurs doivent dire amen. Pastor, quelqu'un doit dire amen quelque part. Hallelujah. Somebody say amen. Somebody say amen. Quand amen. Vous dites amen, Dieu est content. Amen, Dieu aime l'adoration. Hallelujah. David était un grand roi.
Quand l'ange rentrait, David a jeté sa couronne. David a commencé à sauter. Vous n'êtes pas plus que David. Nous ne sommes pas plus que David. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. God bless you. Alléluia, alléluia. C'est une honte. It's a shame. Alors que l'Esprit de Dieu devrait avoir la joie. When the Spirit of God ought to be joyful. Mais ce spirit insecte bizarre s'est mis à dévorer cela. But this little old bird, il a ôté la joie. Started eating or not? He eat all the joy away. En d'autres termes, quand nous venons à l'église, when amen, you come to the church, quelqu'un doit dire amen. Somebody have to say amen. When you say amen, Jésus Christ. You call Jesus Christ. Parce qu'il s'appelle l'amen. Because he's called amen. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. I'm not ashamed of the gospel. Oui, je peux sauter. I have not the shame of the gospel. Amen. I can shout. Je peux courir. Say amen, running. Ma température n'est pas en dessous de zéro. My thermometer. Est-ce que tu peux élever le niveau de la température ce soir? Is not. Est-ce que la sœur peut élever le niveau de la température? Est-ce que la sœur peut élever le niveau de la température? Pour nous permettre de prêcher, que le Saint dise amen. Let the Saint say amen. Amen. J'ai un message. I have a message. Le brisement du mystère sous le septième sceau. The breaking of the mystery under the seventh seal. Je crois qu'en 20 minutes, j'aurai fini. Amen. Est-ce qu'il y a le courant du message ici? 20 minutes. La Bible dit que le septième sceau, il y a un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand il ouvrit le septième sceau, when he opened the seventh, il y a un silence dans le ciel. There were the silence in heaven. D'environ une demi-heure. D'environ une demi-heure. For 10, est-ce que vous le croyez? 30 minutes. Alléluia. Frère Branham dit. What Branham saying? Frère Branham dit. What Branham saying? C'est quand les sept anges. When the, c'est quand les sept anges. What the seven angels? Quittaient la terre. Qu'ils ont dessiné le visage de Jésus-Christ dans le ciel. When the seven angels. Quand les sept anges quittaient la terre. Left the earth. Ils ont dessiné le visage de Jésus-Christ dans le ciel. They show us. Et les croyants le savent. Of Jesus Christ. Alléluia. On the heaven. Ça fait 28 minutes dans le ciel. Donc qu'est-ce que le septième saut? C'est le mouvement de sept anges. Que le Saint dise amen. Dans le mouvement de sept anges, dans le ciel, on fait apparaître le visage de Jésus-Christ. Et je vous pose la question ce soir. Jésus-Christ est-il la moitié? Jesus Christ is si on a vu son visage, où est le corps de Christ? Où est le corps de Christ? Que le Saint dise amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Est-ce que vous le croyez? Et frère Branham a identifié le cri de commandement. En d'autres termes. The shout of commandment. En d'autres termes. Another ways. En d'autres termes. Another words. Le cri de commandement. The shout of commandment. Fait apparaître Jésus-Christ Jesus Christ dans le ciel. In heaven. Par le mouvement. For the sept anges. For the seven angels. Le Saint dise amen. Et frère Branham dit. What did Branham say? Et frère Branham dit. What did Branham say? Les sept anges détiennent les sept tonnerres. Que le Saint dise amen. Seven angels. Oh, moi, ce que j'ai vu. The seven thunders. Oh, moi, ce que j'ai vu. Oh, moi, ce que j'ai vu. What ce que moi, j'ai vu. What I saw. Paul détient la foi. What I saw. Paul kept the faith. Oh, frère Branham dit. What I say. Les sept anges. The seven angels. Qui détiennent les sept tonnerres. All the seven donneront l'inspiration. Glory to be to God. Alléluia. Qu'est-ce que le septième saut? What is the seventh seal? C'est le mouvement de sept anges. It is the movement of the seven angels. C'est le mouvement de sept anges. It is the movement of the seven angels. Dans leur mouvement dans le ciel. In that their ils ont fait apparaître le visage de Jésus-Christ. They have made que le Saint dise amen. The face of que le Saint dise amen. Que l'Église dise amen. Que l'Église dise amen. Dans le mouvement de sept anges. Then the movement. Le mouvement de sept anges. The movement of the seven angels. Le mouvement de sept anges. Fait apparaître Jésus-Christ dans le ciel. Apparent. Dans le ministère de Christ. Mais ce n'est pas fini. It's not finished. Ce n'est pas fini. It's not finished. Ce n'est pas fini. It's not finished. Jésus est apparu dans le ciel. Jesus is. Et nous l'avons vu. Mais je vous déclare ce soir. Je vous déclare ce soir. Dans la voix de la croix. Il y a encore un autre mouvement. Il y aura une autre chevauchée. Les sept anges doivent être ici. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire apparaître. Pour faire apparaître le corps de Christ. Dans l'église locale. Est-ce que les gens sont ici? Est-ce que les croyants sont ici? Est-ce que Jésus peut apparaître? Où il va apparaître? En toi. Where? En toi. It will en toi. In you. En toi. In you. En toi. In you. En toi. In you. Praise God. Que le Saint dise amen. Let the que le Saint dise amen. Let the les sept anges détiennent sept tonnerres. Sept esprits parfaits. Seven angels. Et ce soir, il faut qu'il y ait le mouvement des anges ici. Spirits. Alléluia. There is
Hallelujah. 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 Et le mouvement de sept anges. The movement of the seven angels. Libère sept tonnerres. Release seven thunders. Libère sept vertus. Release seven virtues. Libère la vie littérale. Release de Jésus-Christ. Literally life. Quand j'ai dit que je vraiment destiné à ça de l'homme parfait. When Brother Branham, il a représenté chaque ange. When Brother Branham gave us the picture il a représenté ce que les anges ont identifié. Brother Branham represent which one of the angels have represented. Et la foi, la façon fraternelle. Frère Branham a appelé ça la statue d'un homme parfait. La statue d'un homme comment? La statue d'un homme comment? En d'autres termes, c'est le mouvement de cet ange qui rend le corps de Christ parfait. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un peut le croire avec moi? Ce soir je serai parfait. Ce soir je serai parfait. Que les sept anges font le mouvement. Qu'ils font le mouvement. Et libère la foi. Et que tu la saisis, tu dis Amen. Que les saints disent Amen. Sous le septième sceau, il y a sept vertus. Il y a sept voix. Les sept vertus et les sept voix ne sont pas pour le ciel. Ne sont pas pour le ciel. Que les saints disent Amen. Alléluia. Le sept tonnerre, c'est pas pour les anges, mais c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour toi. Seigneur, libère-moi. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen quelqu'un? Ce soir, ton Jéricho va se parler. Que les saints disent Amen. Alléluia. Quel est ton problème? What is quel your est problem? Ton souci? What is your quel est ton problème? What is your problem? Tout ce qu'on te demande, c'est de dire Amen. C'est de dire Hosanna. Your only problem. Pourquoi? To say Amen, Hosanna. Why? Parce que le mouvement de sept anges. Because the movement of the seven angels. Dans le ciel. In heaven. On fait apparaître le visage de Jésus-Christ. Have made apparent the face of Jesus Christ. Dans le silence. In the silence. Glory to be to God. Glory be to God. Hallelujah. Oh my God. Glory be to God. Hallelujah. Le peuple d'Israël autour de Jéricho. The people of Israel around Jericho. Sept tours. Seven tours. Pendant sept jours. Seven day. Pas de bruit. Not. Le silence. Silence. Le démon était encore là. The devil were there. Les maladies étaient encore là. The sickness are there. Le problème était encore là. Problem were there. Mais pourtant, but le peuple de Josué the people était autour de la Joshua's people. Oh my God. Est-ce que tu es malade, ma soeur? Are you sick tonight? Est-ce que tu es stérile, ma soeur? As-tu un problème, mon frère? La parole est encore là. Mais qu'est-ce qu'il fallait? The word still there. Qu'est-ce qu'il fallait? It took Alléluia. That. It took that. Il fallait le septième tour. It took that. Dans le septième jour. Alléluia. Day. Alors Josué a donné la consigne. Au septième Joshua tour. Au septième tour. Poussez des cris de joie. Quand le peuple a commencé à dire Amen. Quand le peuple a commencé à dire Amen, les sept anges ont commencé à faire l'action. Ils ont secoué Jéricho. Ce soir, ton Jéricho sera secoué. Que les saints disent Amen. Oh my God. Frère, écoutez-moi très bien. Ne croyez pas seulement votre pasteur. Ne croyez pas seulement un homme de rien qui vous êtes. Mais croyez la parole. Peu importe qui prêche. Si c'est la parole, je le crois. Si c'est le frère qui prêche, que c'est la parole, je le crois. Je dis Amen. Je ne dis pas Amen à un homme. Je ne dis pas Amen à une soeur. Je dis Amen à la parole. Est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, alors donnez-lui un Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur descend du ciel. What does it mean? The Lord descending from heaven. Avec un cri. With the shout. Et qu'il pousse le cri de commandement. And when he shouts for the shout of le visage de Jésus-Christ apparaît dans le ciel. The face of Jesus Christ. Le cri de commandement. On even the shout of commandment. Septième sceau. Seventh seal. Oh my God. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? And somebody say Amen. Hallelujah. My God, mais ce n'est pas fini. It's not finished. Le prophète nous dit. Father Abraham said, après moi, des gens viendront. Vous n'aurez plus de sens. En d'autres termes. After me. En d'autres termes. En d'autres termes. Vous devenez ce que vous mangez. Que le Saint dise Amen. Si vous écoutez la foi, vous devenez la foi. Si vous écoutez la puissance, vous devenez la puissance. Quelle est cette église où il n'y a pas de miracle? Quels sont ces croyants où il n'y a pas de vie? Où est l'ange d'Apocalypse chapitre 10? Où est l'ange d'Apocalypse chapitre 10? Il doit être quelque part. Soit il est avec toi. Frère, doit être avec toi. Oh, je dois le sentir. Je dois voir ses effets dans ma vie. Que le Saint dise Amen. Cet ange t'appelle le septième sceau. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on pourrait dire Amen quelque part? Donnez-lui une main de la commission, Dieu bénisse.
Donnez-moi la commission, Seigneur Dieu. The Lord shout of praise. Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher un peu? Can we preach a little Amen. Bit? Le 28 février 63, c'est le mouvement des sept anges 28 February, qui ont dessiné le blanc de Jésus-Christ dans le ciel. Amen. Vous les avez sur Internet. On the net. Pour ceux qui ne savent pas, tapez 28 février 63. Un nuage mystérieux visite le ciel de l'Arizona. If did not, if you had, la photo est montrée à Frère Branham. The picture showed to Brother Branham. Une voix lui dit, tourne la photo d'un car. The voice talking, tourne la photo d'un car. Turn the picture. Il voit le visage de Jésus-Christ. Il voit ses yeux. Et les croyants savent de quoi je parle. Mais ce soir, tonight, je ne suis plus au temps de la photo. I'm not, que le Saint dise Amen. I'm not in the, que le Saint dise Amen. Alléluia! Frère Branham est parti à la maison. Je vous pose la question. Où cette nuit est passée? Où cette nuit est passée? Nous avons de bons prédicateurs. Nous avons de bons sermons. Mais où est passé cet ange? Je cherche cet ange. Je cherche cet ange. Il doit être quelque part. Que le Saint dise Amen. Si Frère Branham a identifié le cri, c'est que cet ange est dans un nouveau mouvement. Oh my God! Alléluia! Ce soir, vous devez rentrer dans le mouvement des sept anges. Tonight, you are supposed to get in. Quand les sept anges font le mouvement, cela fait apparaître Christ dans l'église. When the seven thunder, et les gens peuvent devenir parfaits. People can be perfect. Que le Saint dise Amen. Can the church say Amen? Oh, le monde dit, vous ne pouvez pas être parfait. Mais moi, je vous déclare ce soir perfect, que Jésus a déclaré, soyez parfaits. Perfect. Pas comme un ange. Not like pas comme un archange. Like pas comme un chérubin. Comme le Père Céleste. Like je vous défie de le croire. Moi, je serai comme le Père Céleste. Et toi, mon frère, quand tu dis Amen, tu le seras aussi. Que le Saint dise Amen. Oh, pasteur, tu parles de qui? Pasteur, tu parles de qui? Pasteur, tu parles de qui? Je parle des sœurs qui ont déjà péché. Des frères qui ont déjà bu de la bière. Mais quand les sept anges font le mouvement dans l'église, ça chasse le péché, ça chasse la mondanité. Ce soir, je veux le mouvement des sept anges. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous voyez le mouvement? Qui voit le mouvement? Qui voit le mouvement des anges? Saying the angel movement. Nous n'avons pas un message simple, nous avons un message mystérieux. We have not the simple message, but we have the mysteries. Et le mystère de ce message. And the mystery. C'est que Dieu était rendu visible dans ce temps God de la fin. Made visible. Que quelqu'un dise Amen. Time. Oh, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais vous êtes un tabernacle de Dieu en esprit. Men, alléluia. Alors le visage qu'on a vu là-bas au ciel, quand il disparaît, il va où? Ce visage va où? Cette nuit de gloire va où? Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Je déclare ce soir que les gens entendent la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous l'attendez encore? Oh my God! Praise God! Alléluia! Mais je vois Jésus-Christ en train d'apparaître dans le pasteur, dans la sœur, dans le frère. Que le Saint dise Amen. Quel est le mystère? Quel est le mystère? Le temps de l'enseignement est terminé. C'est le temps de la démonstration de la puissance. It's time of demonstration of the power. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Quel démon peut tenir devant toi? Quand les sept anges sont avec toi, quel démon peut tenir devant toi? Quand cet ange est avec toi, tu peux marcher dans le noir. Sentissez pas près de toi. Je sais où je me tiens. Je sais où je me tiens. Oh my God! Est-ce que tu sais où tu te tiens? Cet ange fait 10 ans dans le message, 20 ans dans le message. Il croit être berger, mais pas d'expérience. Tu n'es pas dans le message, frère. You're in the message. 22 years in the message. Frère Branham, Frère Branham était la gerbe agitée. Brother Branham is. Gerbe agitée signifie qu'il y a d'autres qui sont prêts à mûrir. The gerb means. Où sont ces autres? The gerb means. Frère Branham a fait. There are others. Frère Branham a fait. Who has read? Frère Branham a fait. Brother Branham did. Frère Branham a fait. Brother Branham did. Frère Branham did. Frère Branham did. Frère Branham did. Brother Branham did. Pasteur, qu'est-ce que tu as fait? What you are doing? Praise God, come on now. Que quelqu'un dise Amen. Somebody j'ai entendu une déclaration un jour sur Internet. I heard a declaration one day on the net.
Il a été dit que Dieu a fini sa course. Somebody say God dans l'homme Branham. His course with Brother Branham. Mais si c'est selon de mettre dans l'enlèvement. If it was that, Dieu n'a pas fini sa course. We should be in the rapture. Les sept anges que vous avez vus au ciel. The seven angels that you saw. Dans un mouvement heaven, pour faire apparaître Christ dans le ciel. Dans un mouvement pour faire passer, apparaître Jésus-Christ dans le ciel. In the movement to donc, descendre sur la terre. Made apparaître Jesus Christ on heaven. Dans un mouvement. In his movement, pour faire apparaître Christ dans l'église. To have made apparent Christ in the church. Selon qu'il a dit, soyez parfait. According la statue d'un homme parfait. According to the scripture. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ utilise pour rendre le corps parfait? What Jesus Christ Ephésiens 4. Oh, Pasteur Gabriel, Dieu vous bénisse. Perfect. Des véritables bergers. Étant monté au ciel. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Étant monté au ciel. Il a donné des dons aux hommes. Il a donné des pasteurs, des apôtres. Alléluia. Des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Je déclare ce soir. Dieu ne quittera pas au ciel pour te rendre parfait. Il passe toujours pour Ephésiens 4 pour te rendre parfait. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Vous aurez des expériences. Sœur, tu dois voir Dieu dans ta vie. Quel est ce message? Nous ne voyons pas Dieu manifester en nous. Quel est ce message? Où mon caractère ne change pas. Il y a quelque chose qui cloche ce soir. Je te pose la question. Est-ce que tu ne sens pas quelque chose qui cloche? Pourquoi ces réunions ce soir? Why that meeting? Pour vous dire. To say to told you. Sur le septième sceau. The seventh seal. Il y a sept mystères. Seven mysteries. Qu'on appelle les sept tonnerres. Which are called seven thunders. Amen. Frère Branham dit les sept anges détiennent les sept tonnerres. Frère Branham said that seven thunder. Or dans la statue de l'homme parfait. The seven thunder. C'est la foi. In the statue of the perfect man. The faith. La connaissance. Knowledge. Que les anges détiennent. That angel. Je pose la question. Ask the question. Les sept tonnerres. Seven thunder. Sont-ils les vertus? Si c'est le cas. Are they the virtues? Si c'est le cas. If it's. Si c'est le cas. If that is it. C'est que la façon fraternelle. If that is it. Le septième tonnerre. The brotherly kindness. Que le saint dise amen. The brotherly kindness is the seventh thunder. C'est que la foi représente le premier tonnerre. Oh, je ne le savais pas. Pourquoi tu ne le savais pas? Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Pour devenir ce qu'on te prêche. Tu dois devenir une statue parfaite. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Oh, je veux sentir un démon quitter à moi ce soir. Que quelqu'un dise amen. Au moment où un homme prêche, les démons doivent partir. Les vies doivent changer. Vous êtes le fruit des prédications. We are the fruits. Si vous êtes venu ici pour regarder des jolis prédicateurs, des hommes venus de France, ou du Canada, preacher come ou de la Côte d'Ivoire, vous avez Canada, manqué le but. Because you lost the si vous croyez if you believe that, que les sept anges font mouvement, the seven angels is in pour libérer sept vertus, the seven virtues, qui un jour se transformeront en une seule voix, will become la voix de la résurrection. One frère, je suis en route. Je suis en route. J'ai accepté le Christ. J'ai accepté le Christ. Mais le Christ seul ne peut pas m'envoyer dans l'enlèvement. Il faut que j'accepte la voix de la cage. Cette voix en cette partie qui bientôt deviendra une seule voix. En qui? En qui? En qui? En toi? En toi? En toi? Tu dois devenir la voix vivante. You have to become condamner le monde. Living voice. Condamner la terre. To condemn si vous le croyez, if you believe it, vous le devenez. You become it. Si vous le croyez, if you believe it, vous le devenez. You become it. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Somebody say amen. Frère, dites amen. Sœur, dites amen. Say amen. Frère, dites amen. Say amen. C'est le temps it's time où les sept voix de Dieu rentrent dans l'individu of que l'individu devient. In the individual, l'image parfaite de Christ. Que Dieu vous bénisse. Image of que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous remplisse. God, ce soir, tonight, vous allez recevoir un don venu de France. You will receive a man come from France qui prêche dans la sagesse.